count my mind. Little bit of fame, little bit of haze, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Who count my mind plays? Little bit of fame, little bit of haze, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Coucou les amis, c'est Mademoiselle Petit Ange. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur The Division, mais cette fois-ci, c'est pas l'émission. Je vais vous parler des récompenses, comme c'est marqué dans le titre, en fait, tout simplement, comment récupérer vos récompenses. Donc c'est bien sûr les packs, donc comme Asmat, policier, pompier, enfin ce que vous voulez. Donc si vous avez précommandé votre jeu à Micromania, il était marqué, donc je parle du pack Asmat, le code était marqué en bas sur votre ticket de caisse, et normalement il faut le rentrer directement sur votre console. Si par exemple comme moi vous avez joué à un jeu, on vous donne un code, moi par exemple il fallait que j'aille le rentrer premièrement sur The Division sur internet, et ensuite on me donnait un code à rentrer sur mon PSN, donc sur ma PS4. Donc ça c'est la première chose qu'il faut faire une fois que vous l'avez téléchargé. C'est très 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 facile, hein, je vous le dis franchement. Une fois que vous l'avez téléchargé, c'est pas compliqué, vous lancez votre jeu. C'est pas compliqué du tout, hein, je vous le dis. Vous allez directement vous rendre à votre QG. Donc comme vous voyez en vidéo, je vais au QG. Je veux bien sûr parler du QG principal, hein, donc où se trouve l'aile sécurité, aile technologique et aile médicale. Et dans ce QG là, vous arrivez donc dans le SAS, vous traversez le SAS, vous arrivez dans le hall où il y a les marchands d'armes, de mods, etc. Vous allez toujours tout droit. Vous ne prenez pas l'étage, vous ne prenez pas l'escalier. Et vous arrivez au fond du couloir et vous voyez qu'il y a marqué marchand de récompense, oui c'est ça. Et ici, vous pouvez récupérer vos packs, tout simplement. Vous voyez que moi, il me reste un fusil à pompe et un sac à dos du pack pompier. Parce que je les ai pas pris, pas assez performants pour moi. Mais vous pouvez les supprimer, ils reviendront automatiquement chez le marchand de récompense. Donc vous évitez de les stocker, ça sert à rien. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, un max de partage. Ça, c'est la première chose que je vous demande en échange. Vous pouvez me laisser un commentaire et bien sûr me laisser un pouce. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les amis.